Comme le caribou, le saumon est un symbole, un animal symbole du Québec extrêmement important. Puis c'est aussi un moteur économique dans certaines régions. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Les montaisons de saumon atlantique, c'était déjà pas mal en dessous de la moyenne l'année passée. On dit que en 2023, on a enregistré une baisse des montaisons totales de 24 % par rapport à de la moyenne sur 5 ans. C'est-à-dire donc sur une période de 5 ans. Les montaisons donc des petits poissons, des jeunes saumons, entre 2 et 4 kilos, ont été 65 % inférieurs à la moyenne des 5 dernières années. Et en 2024, la situation est loin de s'améliorer. Donc, on a un problème. On en parle avec deux personnes. Maxime Guérard, porte-parole biologiste de la gestion des espèces aquatiques du ministère de l'Environnement, qui va être avec nous. Puis on va en parler aussi avec Jean-François Degagné, qui lui est le directeur général de la ZEC Saumon Rimouski. Bonjour à tous les deux. Je vais commencer avec vous, M. Guérard. On va tenter de comprendre un peu ce qui se passe. Le saumon est un animal qui naît dans les rivières, qui, une fois qu'il est né, bien, il s'en va dans la mer et il revient par la suite. Et là, semble-t-il que c'est les montaisons, donc il y a moins de poissons qui reviennent. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est exact. En fait, pour faire suite à votre préambule, là, ce qu'on a observé tout d'abord l'année dernière, c'est un faible retour là, des petits saumons dans nos rivières, un creux plutôt historique. Les petits saumons, ce sont les individus qui ont passé seulement un hiver en mer à s'alimenter, donc qui sont majoritairement des mâles, presque en exclusivité des mâles. L'année dernière, les montaisons de grands saumons ont été quand même dans la moyenne, là, mais l'absence de petits saumons a fait que le total était quand même un petit peu en dessous de la moyenne. Par contre, cette année, ce qu'on observe, donc on s'attendait quand même à une faible montaison de grands saumons cette année, les individus qui ont passé deux hivers en mer, qui fait suite finalement à la situation qu'on avait observée l'année dernière. Par contre, la surprise, là, c'est que s'ajoute à cela aussi cette année une faible montaison des petits saumons également. Ce qui fait que ces deux éléments-là combinés là, font en sorte que la saison là, est largement en deçà de la moyenne là, des dernières années. Donc, quand on dit pas beaucoup de saumons qui montent, ça veut dire que la population diminue ou c'est simplement que les saumons ne viennent plus dans les rivières? En fait, c'est que le saumon varie en abondance d'année en année là, selon des cycles. Mais par contre, là, cette année, on est vraiment dans un creux là, qui a rarement été vu, voire même un creux sans précédent. Donc, effectivement, on a beaucoup moins de saumons qui remontent nos rivières cette année comparativement à la moyenne. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça? C'est sûr que c'est une situation qui est préoccupante. On a le ministère en place des suivis là où on vient évaluer la quantité de jeunes saumons qui quittent nos rivières pour aller s'alimenter en mer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au printemps, au printemps de chaque année, les saumons vont quitter nos rivières, les juvéniles, pour aller s'alimenter en mer, où ils vont revenir sous forme adulte une année, deux années, trois années plus tard, à différentes tailles en fonction du temps qu'ils auront passé en mer à s'alimenter. Ce qu'on observe dans nos suivis, c'est que le nombre de saumons qui quittent nos rivières, les juvéniles, est plutôt stable. On n'a pas observé une très grande diminution. Par contre, le fait qu'on observe un très faible retour de ces saumons-là de la mer, eh bien, ça nous indique là, qu'il se passe quelque chose, là, probablement au niveau du golfe du Saint-Laurent, ou du moins quelque chose lors de son parcours migratoire qui fait en sorte que le saumon n'arrive pas à survivre à sa phase de vie en mer et revient beaucoup moins abondant qu'à l'habitude. Il vit où en mer? La mer des Sargasses, je pense, mais pas que, là. Non, en fait, c'est ça. La mer des Sargasses, c'est un lieu reconnu pour la reproduction de l'anguille. Nous, nos saumons atlantiques, il faut comprendre, dans l'Ouest canadien, on a les saumons du Pacifique. Ce qu'on a au Québec et dans les provinces maritimes et les provinces de l'Atlantique, ce sont des saumons de l'Atlantique qui, eux, vont migrer au large là, des côtes du Labrador, dans le cas des petits saumons, qui vont passer seulement un hiver en mer. Et ceux qui vont y passer deux hivers, qui sont destinés à revenir sous forme de grands saumons, eux vont se rendre jusque sur les côtes du Groenland. Donc, c'est des poissons qui vivent leur vie en mer. Puis quand ils reviennent ici, c'est pour se reproduire. Puis c'est là qu'ils meurent en général. J'ai bien compris ça, là, dans mes cours. Oui, le saumon du Pacifique, lui, va mourir systématiquement après la reproduction. Au niveau du saumon de l'Atlantique, on a des individus qui vont y survivre, qui vont même réussir à se reproduire plus d'une fois. Mais vous avez raison, le saumon a un cycle de vie en rivière au cours des premières années de vie. Va naître en rivière, va grandir 2 à 5 ans en rivière avant de migrer en mer, là où il va y passer 1, 2, 3 années selon la taille des saumons qui vont revenir dans nos rivières. Finalement, on en a qui vont passer seulement 1 année, d'autres 2 à 3 années. Et par la suite, il va revenir dans sa rivière natale pour se reproduire et compléter son cycle de vie. Est-ce que on se pose la question, évidemment, est-ce que le réchauffement climatique explique la diminution du nombre de saumons qui remontent?
Bien, en fait, c'est une de nos hypothèses, c'est certain. On sait que le golfe là, du Saint-Laurent on a enregistré des températures d'eau qui n'ont jamais été vues auparavant, des températures d'eau qui sont élevées là, pour un endroit comme celui-là. On pense que ça peut avoir un effet sur peut-être d'autres éléments importants du cycle de vie du saumon, dont l'abondance des proies, les courants. Donc oui, on n'écarte pas la cause des changements climatiques. Merci, M. Guérard. Bonne Ça journée. fait plaisir. Je me tourne maintenant vers notre prochain invité. Puis on va parler avec Jean-François Desgagnés de la ZEC Saumon Rimouski. Comme il n'y a pas beaucoup de poissons, il y a des nouvelles règles pour les pêcheurs. Là. Ça, ce n'est pas des bonnes nouvelles pour les ZEC puis pour les amateurs de pêche aussi, là. Bien, ça dépend de la perspective avec laquelle on l'aborde. On est beaucoup dans la pêche au saumon maintenant pour la remise à l'eau, évidemment pour la conservation de l'espèce. Donc, c'est pas quelque chose qui est mal reçu, je vous dirais, de la communauté de pêcheurs, là. Certainement pas de la communauté des gestionnaires. Peut-être ça l'impacte quand même un certain nombre d'adeptes qui, eux, veulent garder du poisson. C'est certain, mais regardez, faut faire ce qu'on a à faire pour sauvegarder l'espèce, là. C'est une année qui est très critique, comme M. Guérard vient de le Parce mentionner. que là, Donc, monsieur Desgagnés, quand on en attrape, on n'a plus le droit de le garder, c'est ça? ben, en fait, c'est pas vrai. C'est qu'on a le droit de garder les petits saumons, en fait. Donc, au lieu d'en pouvoir en garder deux dans les rivières comme dans le Bas-Saint-Laurent, on peut en garder un par jour. On a toujours le droit quand même d'en garder quatre cette saison, ce qui n'a pas changé. Par contre, les grands saumons, ça, c'est remise à l'eau intégrale là, des grands saumons. Mais pour une rivière, par exemple, comme chez nous, ça a toujours été le cas. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais je Donc, veux dire, ça, c'est. ouais. Ce qui change, donc, c'est pour les grands saumons. Non, c'est pour les petits saumons, en fait, où est-ce que le contingent quotidien vient de diminuer de 2 à 1. Je ne finis pas comprendre dans le sens du mot. Mais il n'y a pas de problème. N'empêche que ce que je comprends de tout ça aussi, c'est que les pêcheurs, est-ce que c'est quelque chose qui va les inciter à moins se déplacer? Est-ce que c'est quelque chose qui va menacer cette. C'est quand même une industrie dans le secteur de Rimouski, par exemple, là, je veux dire. Puis. Si on va aussi sur la côte nord, il y en a beaucoup, là. Oui, effectivement. C'est certain que ça peut avoir un impact. Je vous dirais plutôt que c'est pas nécessairement la réglementation qui va faire en sorte que les gens vont moins se déplacer. Les gens sont beaucoup sensibles à la situation du saumon à l'heure actuelle. Donc, on veut tous faire un peu notre part. On aimerait bien tous pêcher et en profiter, mais la saison, elle n'est pas bonne, malheureusement. Donc, c'est un peu plus difficile. En plus, qu'on a les. C'est la diminution du nombre de poissons qui est l'inquiétude principale actuellement. Exact. Puis en plus, on a des conditions d'eau qui sont très basses, très chaudes, un été qui est assez particulière dans l'est du Québec. Donc, c'est vraiment pas des conditions idéales là, pour la pêche en ce moment, là. Donc, les gens restent vigilants. S'il va y avoir des petits coups d'eau, peut-être qu'il y aura des affluences de gens qui auront des coups d'eau, mais pour l'instant, c'est assez tranquille. Jean-François Desgagnés, le directeur général de la ZEC Saumon Rimouski. Merci beaucoup, M. Desgagnés. Oui. Bon été, là. Apparemment. Au revoir.